Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Dear esteemed scholar, your article published in Recherche sociographique with the title La réhabilitation des rivières urbaines au Québec has left a deep impression on us. Your contribution towards the research is absolutely prominent. It's really a Stop! Ces belles paroles sont bien flatteuses, un peu trop même. Y a-t-il anguille sous roche? Voyons voir. Les éditeurs prédateurs exploitent le principe du libre accès de l'édition scientifique en exigeant des auteurs un paiement en échange de prétendus services éditoriaux et de révisions par les pairs. Pour être caractérisée comme prédatrice, une revue doit répondre aux 5 critères suivants. Le contenu de la revue est disponible en libre accès dès la publication. La revue exige un paiement pour publication. L'acceptation du manuscrit est anormalement rapide. Les contenus sont acceptés sans véritable suggestion de correction à apporter, ce qui démontre qu'il n'y a pas eu de réelle évaluation par les pairs, et la revue n'est pas indexée dans les grandes bases de données scientifiques, ni n'a d'indicateurs de qualité reconnus comme le facteur d'impact. Mais qu'est-ce que le facteur d'impact? Le facteur d'impact est un indicateur de notoriété des revues scientifiques fondé sur un calcul du taux de citation des articles. Mais attention, son rôle est moins significatif en sciences humaines et sociales. Puisqu'un corbeau averti en vaut deux, il est préférable de faire quelques vérifications préliminaires. Une recherche sur le web avec le titre de la revue suivi du mot « predatory » fera émerger les commentaires négatifs d'autres chercheurs. Une visite sur le site web de la revue s'avérera utile. Certains outils spécialisés peuvent être utiles. Par exemple, le Directory of Open Access Journals est un répertoire des revues légitimes en libre accès. Les critères pour en faire partie sont généralement reconnus comme un gage de qualité. Une autre approche simple, demandez l'avis de votre bibliothécaire qui sait reconnaître les indices pour débusquer les prédateurs. Dans quel contexte les auteurs publient-ils dans des revues non légitimes? Ils se font piéger. Ils veulent augmenter leur nombre de publications ou ils désirent convaincre l'auditoire, tromper le public, par exemple, convaincre de l'efficacité d'un médicament. La publication dans des revues prédatrices a de nombreux impacts dommageables. Des impacts sur la science et des impacts sur la carrière. Restez vigilants. Vérifiez toujours la légitimité d'une revue ou d'un éditeur avant de soumettre votre article. Et rappelez-vous, les stratégies des éditeurs prédateurs se renouvellent constamment, notamment avec des colloques prédateurs pour recruter des auteurs. Maître Corbeau a appris une leçon à ses dépens. Ne vous faites pas prendre au jeu.